Ah voilà. Je suis content. De retour. Je suis content qu'il y en a qui ait saisi ma référence de Joe Bartim, Seb, pour le coup du Martino enculé. Après, il se fait choper par la cascade. C'est le chinculé qui part tout en bas, tu sais, pour mourir. Je la cherche l'image. Donc, vous êtes emporté par les flots. Et merde. Non, comment ça, vous êtes emporté par les flots? Vous êtes. Non, vous n'êtes pas emporté par les flots. Non, pas encore, pardon. Vous voulez nous tuer, salaud. Doucement. Bob, tu vois donc cette vague immense arriver face à toi et Shin, la première réflexion que tu te fais, c'est oh mon Dieu, ça sera à peine suffisant. Et alors que la vague arrive pour se fracasser contre vous, il y a Bob, toi tu remarques que ça sera à peine tout juste. Que je vais tiens, bouffer, hein. Que je vais bouffer, je serre comme c'est le grave. Dernier des destins. La vague frappe, la première vague, je dis bien première vague, frappe de plein fouet. Vous êtes attaché correctement, c'est-à-dire que de ton côté, Bob, tu t'es agrippé en sommet de l'arbre, Juste avant, la vague frappe ou j'ai le temps de lancer un sort juste avant? Non, t'as pas le temps. Tant pis. La vague frappe, au moment où elle frappe, tu es ballotté en arrière, puis en avant, et tu te dis à ce moment-là que c'est le premier fouet au visage. Et de ton côté, Grunleck, comme du tien, Théo, tu vois que ce qui frappe de votre côté est presque l'équivalent d'un seau d'eau balancé au visage à côté de ce qui arrive. Et Shin, toi qui es devant, qui vois tout cela, tu te dis, est-ce que ça sera suffisant? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis tout là, seul. On est mort, on est dans l'oblivion. Voilà, c'est fini. C'est ça, je suis dans le jus de groseille. T'as une image d'Athéna en gros derrière, en filigrane, tu sais? Bob Vous voyez? Non, on voit rien. Ah, c'est peut-être parce que j'ai. Voilà, ça. Et ça y est. Donc, deuxième coup de rouleau de peinture. On va remettre nos points de psy. Allez. Oui, remettez vos points de psy. Donc, vous êtes balayé. Lumière qui se prend le premier coup. De son côté, se fait balancer. Tu vois qu'il hennit, qu'il se cabre. Il tire même sur son attache avec la violence du coup. Toi, Théo, tu sens le poids de ton armure peser, la branche qui commence à céder. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Rien. Qu'est-ce que je fasse? Je sais pas. Tu fais rien? Tu restes passif? Tu restes invoque la foudre. Je peux rien faire du tout. Tous nous électrocutés. Et avec la violence de la vague, la première vague, et probablement de la seconde vague qui arrive, il se produit un événement. Lequel? Eh bien, les viewers vont le décider. Putain, encore un dragon? Deus Ex Machina. Ouais. J'aurais dû en les fait. Aigles. Mais nous, les aigles qui viennent nous choper comme ça. Oui, les aigles qui vont nous sauver. Ah, plutôt mourir, hein. Les aigles viennent, j'en mets le feu. Un sharktopus qui arrive sur l'astropole qui prend un coup. Ah oui, c'est parfait. Ah, oh, des requins qui volent au-dessus du tsunami. Une tornade de requins. T'sais. Un golem de requins comme ça, tu sais. Plein de requins superposés. Donc, dans l'ordre, est-ce que vous avez envie de faire autre chose à part de dire oh non? Pardon, envie de s'accrocher et de vivement que ça passe. J'avais pris D'accord. Une deuxième. Ah bah moi j'aurais tenté, si c'est la dernière, j'aurais tenté de lancer une boule de feu en l'air et de me téléporter dans la boule de feu en l'air. Ouais, je vais juste dire au PNJ qu'elle porte la poisse. J'avais pas prévu ça, c'était pas moi. Bob, ça arrive souvent ce genre de choses? Bah, généralement quand je croise des PJ, tu vois. Pire vacances du monde, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Une étoile sur TripAdvisor, c'est tout. Voilà. Il y a des bains à remous. Non, on est pas mal. Oui, très bonne thalasso. Excusez-moi, je suis en train de rire. Je suis en train de voir les votes. Vous êtes merveilleux, hein. Je vous aime tous. Ah, on va recevoir. Ouais, ah, je sais oui. pas si nous, Paissons-nous on vous aime les tintons. Vraiment, les on tétons. Va le savoir bientôt. Donc, la tendance se dégage. Alors, je pense pas qu'il y ait besoin d'attendre bien longtemps pour totalement. C'est violent. Le vote est vraiment violent. Ils ont voté ça, mais on dirait presque de la méchanceté gratuite. Hein. Je suis désolé, hein, je n'assume pas ce qui va se produire. Quoi. Donc voilà,
Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? Bob et Shin, vous êtes au devant de la scène pour remarquer ça. Avec la seconde vague qui arrive sur vous d'une violence inouïe, il se trouve qu'il y a entre vous deux, ici, une charrette. Ah, ça fait hyper flipper. Ah, oh, c'est la charrette de tout à l'heure, ça fait plaisir. Et on venait de la direction opposée. Et sur cette charrette, il y a... Le dragon qui fait du surf. Non, il y a un chaton qui appelle à l'aide. Oh non, tu peux pas faire ça. Ah, c'est vilain. Tu peux pas faire ça. Non, là, Maillard, non, là, c'est putassier. Là. Le chat qui regarde Bob se noyer, tiens. Là, c'est putassier. Tu peux pas faire mourir un chat. Il y a un chat ici. Mais il est un où chaton. Ah, il est là, d'accord. Il est juste là. Il s'appelle et... chat aussi, comme un cheval. Bah, Bob, téléporte-toi dessus. Comment il s'appelle ton chat? Il s'appelle... Non, je te donne pas le nom. Mon chat enculé, déjà. Bon, quelqu'un n'a pas envie de le balancer ? Ah, oh, putain. Je peux le sauver. Ah, non. Je pense. Bon. Tu veux que... Comment ? Vas-y, je t'écoute. Je peux marcher sur l'eau. Je suis Jesus Christ, the Lord. Donc, respectez-moi. Non, mais sérieusement, je peux courir vers lui et monter sur le radeau et le prendre dans mes bras. Je peux sauver le Kitty. Et nous sommes de retour, désolé pour ce petit souci. C'était, Sky qui s'est révolté parce que faire ça à un chaton, c'est pas humain. C'est terrible, c'est terrible. Et qui dit que je suis humain ? C'est terrible. Du coup, j'assume parfaitement. Interruption ! J'interromps, je balance une boule de feu sur le bout du radeau sans viser le chaton. Rien à foutre ! Dangereux. Mais pas si à part faire couler fais... plus vite la charrette sur laquelle il est. Non, attends, il y a deux possibilités. Mais toi, t'es dans une position compliquée là, Bob. Soit il crève, et dans ce cas-là, tant pis, on pouvait pas le sauver. Soit je le sauve, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est fini. Le courant part dans tous les sens, ou il y a une direction Est-ce qu'il va se rapprocher de moi pour que j'essaye de l'attraper ou pas? Est-ce qu'il va se rapprocher de toi? Non, il est entre. Ah, il est trop loin pour le grappin, du coup. Mais tu sais que ce chaton, en vrai, si c'est toi qui mourrais, il viendrait lécher ton cadavre, donc... Oui, le problème, c'est que tu sais qu'en vrai, si je mourrais, tu viendrais lécher mon cadavre. On n'est pas pareil, c'est le principe. Boule de feu, tout de suite. Et du coup, regarde, Train, si jamais la boule de feu réussit et ma téléporte réussit, c'est toi et moi, enfin, c'est toi qui me chopperas au bras grappin. Sans que j'aille mettre le feu à ton arbre. On va faire ça. Ah, il faut, une fois que t'as chopé le chat, faut que tu t'élances pour que je t'attrape. C'est la bonne chance après. Hein. Donc. Attends, mais tu veux cramer. C'est la boule, c'est parti. Attends, parce que j'explique. Moi, ce que je voulais faire, c'était courir vers le radeau et sauter dessus, récupérer le chat, et après, avec le courant, dériver et venir comment te récupérer. Fais courir vers le radeau. Et comment tu vas faire? Je peux marcher sur l'eau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur l'eau. Oui. Mais le courant, il va dans ce sens. Tu peux marcher sur l'eau. Oui. Tu peux marcher sur l'eau. Excuse-moi, mais il y a des informations. Il y a des moments où tu te noies dans l'eau. Pardon? Comment ça se... Là, d'un seul coup, tu peux marcher, mais il y a d'autres moments dans ta vie où tu te noyais. Non, mais je peux faire une petite course dessus. Je peux pas rester comme ça, ad vitam aeternam. Voilà, okay. C'est juste pour aller courir vers le radeau et me foutre dessus. Do it. Comme tu veux. Si tu foires, je mettrai le feu à ce putain de radeau. Tu sais que c'est un tsunami. Tu vas avoir genre ton jet avec un malus de 80%, quoi. Voilà. Je vais demander à notre Maillard national. Écoute, il n'y a rien qui empêche. En ronronnant, c'est ce petit chaton mignon. Il n'y a rien qui empêche le fait que j'envoie une boule de feu ici en même temps que Shin pour vers le radeau. D'accord. On peut tenter l'action de sauvetage. Mais la boule, c'est chaud aussi parce que toi t'es ballotté dans la flotte. Oui, mais c'est pour ça qu'elle a de grandes chances de foirer. Mais tout comme t'as de grandes chances de foirer. T'as raison, vaut mieux faire les deux. Ouais, t'as raison. Bon. Et hors de question qu'on lève ce chaton cramé. Hors de question. Allez, je boule le feu. Eh bien, vas-y. Putain, c'est beau. Fais-moi ton test de mental. Slash R à naissance. Avec un malus de 20. 20, ça passe complètement. C'était un 0,2, mais non. Ah, je t'ai mis un malus quand même. Mais non, mais attends, à 75, 80, avec le malus de 20, même avec un malus de 50, ça passe. Oui, et donc tu lances, tu projettes les flammes en direction de cette créature innocente. Non, l'objectif étant de mettre le feu à ce bout de radeau, je rappelle, hein, je l'avais précisé ça. Ouais. Ça va pas l'affoler, il va pas plonger et se noyer. Non, il ça serait pas, une fin complètement triste. Ça va l'affoler à mort, mais il plongera pas. Je te rassure, du coup, il risque de mordre Shin si Shin il arrive. C'est vrai, je suis habitué à ce que les animaux me mordent. Non, c'est un chaton. Un chaton, Crane, ne peut pas te faire tant de dégâts. Tu enflammes,
tu enflammes ce que tu voulais enflammer. Ça se passe à peu près correctement, mais tu as 2 secondes pour agir. Enlève les points de psy. Il y a... Pointer les portes ! Avec mes points de vie aussi, s'il faut, je m'en fous ! La télé, ah ouais, va falloir cramer. Va falloir cramer. C'est quand même extrêmement loin. Hein. Enfin, tu il y en a pour 6 points de psy, moins 1, car je suis en focus, donc j'en ai 2 points là actuellement. Attends, tu peux faire 2 actions ? Ça fait 3 points de vie. Balancer la boule et te TP direct ? C'est 2 sorts en combo, écoute mon grand. Hein, ouais, non, ouais, c'est craqué. C'est 3 aussi, allez. C'est pas grave, c'est pour le chaton. Excusez-moi, je suis désolé, pourquoi vous faites ça ? Parce que nous on a un cœur, parce que nous on n'est pas vide à l'intérieur. Mais on n'est pas vide, il y a 3 épisodes on mettait le feu à une église, alors me fais pas rire. Il n'y avait pas de chaton. C'est peut-être un magicien qui s'est transformé, voilà, c'est peut-être ça aussi. Qui va nous aider dans une quête future, enfin nous offrir la fortune et la gloire. Déjà t'étais pas là toi. Quoi que je fasse, si je réussis ou si j'échoue, je me retrouverai avec 6 points de vie. Vas-y, fais-moi ton test. Et 0 psy, vendu, c'est vendu. Hop. Attends, il faut que j'enlève déjà tout, parce que quoi qu'il advienne. Quitte à claquer ma life, j'en ai rien à foutre. Allez, le 1 descend. Ça y est, on y croit. 62, ça passe. Putain. Tu fais ton test, tu réussis à te téléporter. Tu te retrouves alors qu'il y a la deuxième vague qui arrive vers vous. Enfin, vers toi, du coup, Chine. Tu te téléportes à travers les flammes. Tu arrives de l'autre côté en ayant puisé. T'as retiré combien de points au total ? Bah là du coup j'ai retiré 3 points de vie. Non attends, ou c'était 4 c'est... Non attends, 6 moins 1, donc 5, j'avais 2 points de psy. 2 moins 5, enfin 5 moins 2, 3. Donc 9 moins 3. On retire 2 de plus parce que c'est relativement et il a parfaitement souligné. C'est pas un peu c'est trop craqué. C'est très. Parce que là il fait l'Hadouken, il se téléporte dans le Hadouken de l'autre côté direct. Tu dis c'est pas trop claqué, mais ça m'a claqué toute ma barre de psy et presque toute ma barre de vie. Justice, et je suis ça, niveau 3, ouais. Me respecte. C'est ça. Tu me respectes. Moi, c'est en termes de déroulement d'action, tu vois, c'est-à-dire le tsunami qui arrive, t'as le temps de balancer la boule de feu et te téléporter dedans. Ça... Là, du coup, attends, là, du coup. C'est la vitesse de la lumière, tes flashs, quoi. Toi, normalement, t'as eu le temps de faire ta course. C'est ça qu'on va jouer après, juste derrière. Tu te retrouves avec combien de points de vie, Bob ? 4. 4 ? Ouais, c'est limite, hein. Moi, je rejoins quand même Seb hein, quand il dit que c'est pas un peu craqué, mais dans le sens où tu devrais en prendre plus. On va dire que c'est une action exceptionnelle. Non, attends, normalement t'aurais dû faire jouer Seb entre mes 2 sorts pour qu'il tente sa course. Ouais, moi c'est plus voilà le déroulement du temps en fait, c'est même pas les actions. Moi c'est juste quoi. Ça et j'ai rien contre. Alors ce que je vous propose, c'est un compromis. Les malus, y a pas de problème. Parce que je suis d'accord avec Seb, hein, parce que sinon après ça va être canon et ça va être utilisateur et à travers. Et j'ai claqué toute ma barre de vie. C'est génial quoi, c'est Hadouken TP dans l'Hadouken. J'ai claqué toute ma barre de vie pour faire un TP dans l'Hadouken que j'ai fait juste avant les mecs. C'est déjà canon. Pour rendre justice à cette action. Eh bien, tu réussis à accomplir ceci, donc parce que moi, en j'ai ayant pas bougé, puisé quasiment rien, dans tous tes PV, mais tu te retrouves donc sur ce radeau de fortune, donc avec le char, la charrette, ici. Et... Excuse-moi, j'ai une question aussi. Une fois que tu seras, bon, tu vas réussir, tu vas te TP sur la charrette, tu vas sauver le char, tu vas prendre les 3, comment tu reviens ? Ah bah, voilà. J'ai pas pensé, je m'en fous, c'est pas important. Ah, voilà. Là, pour le coup, c'est mon action. On est voilà, donc, c'est ce qu'on voulait dire aux viewers. Non, voilà comment se passent tous les épisodes, tous les tournages. Généralement, le marchandage sert à ça. C'est ça. Et enfin, pour défendre juste l'action que je viens de faire, tu m'excuses, tu dis oui, mais tu viens de balancer une boule de feu et de te téléporter dedans, machin, et tout. J'ai fait ça juste avant pour aller dans l'arbre et j'ai pas entendu la moindre interception. Mais t'étais donc, à côté de l'arbre. Pour le coup, c'est canon. Ah oui, bah là, c'est pour ça que ça m'a bouffé. Non, il y a eu du temps pour l'arbre. Il y a eu du temps en vrai. On a eu le temps tous de monter, etc. C'était. Dans ce cas-là, je propose de descendre à 3 points de vie. Non. Bah, écoute, allez, 3, allez, 2, 2 points de vie, 2 points de vie. Allez, 2, allez, 2. Attends, c'est pas comme si je marchandais pour faire plus. Là, je marchande pour avoir moins de vie, mec. Écoute, je te propose un deal. Tu descends à 2 parce que sinon, c'est vraiment craqué. Par contre, tu te donnes un avantage parce que ton action, elle est vraiment couillue. Genre, 2 avantages dans le même scénar. Voilà. Je dis rien, mec. La tenté. Bah, y en a qui ont des avantages en faisant du bon roleplay. Donc, attends, je dis rien non plus. C'est vrai. Attends, c'est limité à un avantage par tableau et un malus non. par tableau. Là, on a changé. C'est différent, on a changé là, c'est différent. D'accord, pardon. Donc, tu as donc un avantage, tu as 2 PV, tu es face à la deuxième J'étais vague. Censé, selon les calculs des sorts normaux, être à 6 PV, je suis à 2. Bon, j'ai un avantage, je me plains pas. Mais du coup, est-ce que Shin peut faire son action et courir vers nous ? Shin ? Ah bien. Mais pour le coup, ça sert plus à rien, je te vois faire te téléporter. Ouais, mais... Ouais. Non, mais quand même commencé ton action. Ça, normalement, t'as pas pu le décider. T'as pas pu le décider parce que j'ai lancé ma boule de feu en même temps que t'as décidé de commencer à courir. Shin, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? Bah, il faut que j'arrive à stopper, à les intercepter les deux, quoi. Mais je sais pas du tout. Parce que si je me fous sur le radeau, ça va rajouter du poids et ça
ça va plus compliquer la tâche qu'autre chose. J'ai envie de faire mon surf, écoute. c'est ça devient n'importe quoi. Il y a des chatons, des surfs, des trucs. Allez, hop là. Bon, déjà, il y a un tsunami au milieu d'une prairie, donc. Mais non, normalement, c'est Seb, t'étais censé faire ta course au moment où je commençais la boule de feu sans pouvoir t'arrêter en plein milieu de l'action en mode vision de l'avenir, pourquoi pas ou quoi que ce soit. Donc là, normalement, c'était ton jet. Ouais, mais je pensais pas que tu ferais deux actions d'un coup. Je pensais que t'aurais fait moi, la boule. Moi, je pensais que t'aurais pu faire l'action savoir, après la boule. Surf. Donc ça, c'est pour ça. Tu fais ton. Ou à l'arrière, tu fais ton saut éventuellement. T'as un pouvoir de saut. Ouais, bah on va faire ça. De toute façon, je suis obligé de le faire vu que j'avais dit que je le faisais. Parce que là, ça va pas servir à grand chose. On va être tous les deux sur un radeau. On est reparti en mode. Sur le tsunami. Sauf que. t'as plus de chance. Fais-moi ton test. Allez. D'accord, donc je fais un saut. Oui. Tac. Mental, alors. T'as 70. D'accord. Ah, 89! Non. C'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique. Et donc, ce qui se produit, c'est que au moment où tu veux activer ton pouvoir, ça ne marche pas. La deuxième vague frappe la charrette. Bob disparaît sous les flots avec la charrette. Et tu es accroché à ça. Toi aussi, de ton côté, Théo, tu vois la scène. Il y a Bob qui est emporté par les flots. Il y a Lumière qui se raccroche par la bribe à l'arbre. Tu fais comme tu peux, toi, pour saisir le reste de la brime. Et il y a Grunlake qui voit aussi, et donc Bob se fait aspirer par les flots. Vous êtes complètement con. Excusez-moi, mais vraiment, c'est. Le mot gâchis est parfait. Est-ce qu'il y a une chance que je puisse choper Bob? Est-ce que si j'ai de la corde, je peux m'accrocher à l'arbre ou j'ai eu le temps de le faire et plonger pour essayer de le récupérer? Est-ce que. Oui, tu peux éventuellement essayer de plonger. Mais du coup, moi, j'ai pas sauté du tout ou je suis dans la flotte, là? Non, t'as pas sauté, t'es toujours safe. D'accord. Donc, ton pouvoir, c'est pas activé, donc t'as pas, genre, juste sauté de 1 mètre pour plonger dans la vague et te faire emporter, tu vois. Ok. Du coup, le radeau ne flotte pas. Enfin, pas le radeau, mais la charrette ne flotte pas, vu qu'elle était en train de flotter avec un chaton dessus. Mmh. Il y a la deuxième vague qui est arrivée à ce moment-là. D'accord. Je peux pas laisser Bob comme ça, donc oui, je vais essayer de le sauver. Vas-y, faut que je plongerai. Je vais finir par flotter un moment ou un autre, écoute, un mort ou vivant, on verra. Alors, je vais tenter de plonger, de le choper, de nous accrocher tant bien que mal avec mon bras à quelque chose. Avec le chaton qui sera sauvé, si tu fais ça, le chat va être tellement heureux. Vas-y, fais-moi ton test de physique, s'il te plaît. Test de physique. Il faut sauver le chaton. Hein. C'est que pour ça qu'on le fait. Hein. 81, c'est raté. Ah, ça passe pas. Il fallait s'y attendre à force de faire des réussites depuis tout à l'heure. Ouais, ça dépend. Shin n'a pas réussi à faire son saut, ça a rien fait. Qu'est-ce que ça fait, moi? Ah, mais lui, il voulait activer son pouvoir. Ouais, bah, en fait, ce qui se passe, toi, tu comprends, t'es Grunlake. Quand tu fais des succès critiques, on les ignore. Alors tes échecs, on va pas les savoir. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Donc, tu commences à te délaisser donc, d'un bras, tu commences à mettre la jambe et tu es littéralement emporté à moitié du corps suffisamment pour voir que c'est trop dangereux. Et tu es fouetté donc et tu te retrouves aplati contre l'arbre contre lequel tu étais au départ accroché. Et donc Bob a disparu. Désolé. Je claque mon avantage. Alors je claque mon avantage pour une raison précise, attention Maillard, pas pour forcément survivre, gagner mes points de vue ou quoi que ce soit ou autre, mais pour pas avoir lâché le chat en fait. Pour que si on trouve mon cadavre, que ça ait servi à quelque chose. Je claque mon avantage. Oui. On voit le cadavre de Bob sur le sol, puis on entend un petit. Le chat qui le lappe comme ça, qui lappe son corps. T'as vu, regarde, j'enlève mon avantage, je claque mon avantage pour ça, j'en ai rien à foutre. Et nous, on a vaincu un dragon, nous. Rien à péter. Ah là là, je suis déception, j'ai pas réussi à te sauver. La deuxième vague. La deuxième vague passe et laisse un paysage complètement dévasté. Vous voyez autour de vous pas de Bob, pas de chaton. Donc je vais le retirer de là. Pas de Bob, pas de chaton, pas de bras, pas de chocolat, rien du tout. C'est la Lumière s'en est pris, elle a failli s'étouffer. On s'en sort plutôt bien par rapport à la situation. Vous pouvez redescendre des arbres, vous vous retrouvez en bas. Sauf que les derniers à descendre donc, sont Théo et Grunlake.
Et vous voyez dans le paysage désolé, donc avec les arbres complètement affaissés de l'horizon, il y a une chaîne montagneuse, légèrement édentée, qui est... Hop, je vous montre. C'est le meilleur moment pour consulter la map, hein. Ça cherche pas du tout mon cadavre. Alors, où sommes-nous? Il faut trouver de la nourriture. C'est propre. Oh, tiens, un chat, ici. Ça tombe bien. J'avais faim. Ouais, pas mal. Donc, vous voyez, donc, ceux qui sont sur la cime des arbres et ceux qui sont encore en vie, remarquent par là donc, un paysage donc, complètement dévasté par cette vague d'eau. Et il y a une chaîne montagneuse complètement édentée. Et au sommet de cette chaîne montagneuse, l'endroit où c'est édenté, il y a, on dirait, de l'eau qui capte la lumière lunaire, comme si c'était un déversoir, comme si il y avait une immense réserve d'eau qui avait commencé à se faire déverser dans la vallée, dans le coin. Et ça vient de là. Et ceux qui sont en hauteur voient par ici aussi. Donc le paysage dévasté, il y a, vous pouvez voir de là où vous êtes, qu'il y a le début donc, de la ville qui est de Lysandre, dont une partie est ravagée par la vague qui s'est affaissée. Et derrière vous, la vague qui finit de mourir en chutant une quantité d'eau, mais complètement astronomique, qui est venue de cette chaîne montagneuse. Et toujours pas de Bob. Alors on va commencer à chercher son cheval. Cadavre. Je tiens à dire que cheval est mort aussi, je pense. Là, j'ai pas claqué mon avantage pour lui, je suis désolé. Oui, cheval. Ben, est-ce qu'on peut partir dans le sens du courant pour aller chercher le cadavre de Bob et Chine? Non, mais moi je suis pas dans la flotte, moi j'étais sur l'arbre. Il est vivant. Ah, il est là. Ah, ben ça va alors. Ben le cadavre de Bob alors. Putain. Donc, et si vous trouvez mon bâton sur la route, pensez-y. Parce que je pensais que le bâton t'est sauvé en fait, tu vois. Genre le bâton qui est animé par un stand, comme Faye. Donc le dragon qui te ramène ton bâton et qui te sauve. Tu sors de l'eau à d'autres dragons avec le chaton. Je vais faire un stropole. Ou c'est le chat qui t'a sauvé qui dit « Merci, j'ai testé ton courage. » Et tu m'as sauvé, donc je te sauve. Tu as réussi l'épreuve. Tu as réussi l'épreuve. Quoi ? Le royaume des chats. T'es tu rentreras et tu épouseras ma fille. Ah bon. Ah putain, quoi. Franchement, si on devait revenir en arrière, je dirais à Chine, plante une flèche entre les deux yeux du chat pour que Bob il fasse pas une connerie, quoi. Bah en même temps, attends, non, honnêtement tu peux pas être honnête là-dessus, j'allais faire la connerie, mais Fred, soyons sincères, la boule de feu elle aurait foiré, elle aurait touché le chat, elle l'aurait tué, il aurait pas eu à choisir, donc quelque part le choix était déjà lancé par le destin, soit ça échouait, le chat mourait, soit ça réussissait et j'allais sauver le chat anyway, donc y a non, pas mais de... C'est toi qui as choisi de... Ah oui, bah écoute, mais moi je mets ça dans les dés de Dame Destin, hein. C'est pour ça que j'utilise mon avantage pour le chaton et même pas pour mes PV, donc c'est pas... C'est pas une question de survie ou quoi que ce soit. Attends, il nous met un chaton sur un radeau. Tu sauves ça, s'il te plaît. Si tu peux pas sauver un chaton, t'es quoi comme héros? Le gars, il s'appelle Loyal Bon, quoi. Mais fais-moi rire. Tu dis ça à un gars qui sauve pas une petite fille, hein, n'oublie pas. Ah, bon, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est lui l'inquisiteur. C'est moi qui suis demi-démon. Mais bah oui, justement, t'es un demi-démon, t'es pas foutu. T'es, ton père, il doit tellement avoir la honte. Et bah peut-être que même en étant un demi-démon, je vaux mieux que toi. Je suis pas d'accord, parce que démon, c'est pas forcément le mal. C'est plus ses intérêts, c'est plus plein de choses. Donc, ses intérêts, c'est d'être sauvé le chaton. Les intérêts, c'est les chats. J'aime pas les chiens, fais pas chier. Et les chats, c'est démoniaque, hein, moi je dis. Ça aurait été un chien, tu l'aurais laissé crever. Non, ça aurait été un chien, ça aurait été triste. Tu vois, c'est pas pareil. Misère. Un petit koala. C'est hyper mignon, un koala. Oui, un koala, je l'aurais fait, ouais. Ça aurait été un animal dégueulasse, je sais pas, un rat ou quoi. Tu l'aurais fait ? Bah non, mais dans ce cas-là, on s'en fout. Voilà, donc j'ai généré Monstropole. Juste, ça aurait été un bon père de famille de 40 ans, tu l'aurais laissé mourir. Oh, il a bien What vécu déjà. Bah, toi, Théo, c'est sûr. Bah, moi, j'aurais pas bougé, même si ça aurait été une. Ça aurait été son mon fils. Père, pas bougé, mon fils. Non, mais franchement. Le fils qui passe sur le radeau, il était faible. Bah, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en même temps Il y a un coup de bouclier sur le radeau, comme ça. C'est ça. C'est ça. Tire-toi. Je vais pas. Le je vais mec, pas. C'est Eyashimishima, quoi. C'est l'histoire de la vie. Le jette au fond du ravin, le gamin.
Non, mais t'as pas de solution. Je veux dire, dans un cas, le chat meurt, dans le cas, tu meurs avec le chat. Qu'est-ce que tu choisis? T'as pas de solution. Longue écoute, si t'avais mieux réussi chat. Et que t'avais pu m'aider, on aurait pu sauver le chat aussi, c'est tout. Ah putain, c'est la violence. Mais je vais tellement crever, quoi. Alors, est-ce que le Stropole, c'est le sadisme, toujours? J'avoue. Je suis sûr, c'est le sadisme. Excusez-moi. Dans quel orifice s'est retrouvé le bâton de Bob? Bon, je regarde pas le Stropole, mais dis-moi, Maillard, rassure-moi, le chaton survit. J'ai claqué mon avantage, tu peux pas dire juste non. Bah, c'est pour toi l'avantage, à mon avis, pas pour le chaton. Non, parce que j'ai sauvé le chaton, quoi, que c'est une action que j'aurais fait, même de mon corps défendant et mourant dans l'inconscience. Voilà, c'est chevalier de Zodiaguesque. C'est chevalier de Zodiaguesque. Les maillards tuent le chat, etc. Devrait y avoir honte. C'est clair. Devrait y avoir honte. C'est des mecs qui abandonnent des enfants pendant l'été avant les vacances en les attachant à un arbre, quoi. Pff. Je veux que le chat soit une réincarnation de divinité. T'es sérieux là, mec? Bon, c'est des enfants, c'est pas un chaton. Alors, ça se trouve, le chat, c'est Satan en personne. Merci, l'avènement de l'aile noire sera bien. C'est à la lune qui commence à devenir rouge du sang et tout partout. Les démons qui sortent du sol. Mais tu sais, ils ont des petites oreilles de chat avec un truc Neko, tu sais. Le sabbat, ouais. C'est lui qui a déclenché le tsunami juste pour s'amuser à d'autres charrettes. Putain. Oh oui, putain, oh la vache, le twist. Oh, le twist de merde, quoi. Le twist de merde. Pff, allez, dé du destin, dis-moi qu'adviendra-t-il du chat. Putain de 10, c'est bon ça. C'est bon. C'est bon ça. Alors, quelle tendance se dégage de ce merveilleux. Bon, très bien, ouais, tendance, c'est pas mal. Donc. Pendant la nuit, vous avez trop tension encore dans l'esprit pour pouvoir vous reposer. Et il y a donc certains d'entre vous qui vont à la chasse au cadavre, pardon, au corps de Bob. Qui y va? Qui s'occupe de... Moi, j'y vais direct. Vous en non, j'y vais, parce que j'ai essayé de plonger pour... J'ai pas réussi et je m'en veux, donc il faut absolument que je le retrouve. Et puis vous êtes baisé, vous pouvez pas faire de feu, du coup. Pardon. Au pire, on réussira, je pense. Oui. Je pense qu'on devrait réussir à faire un feu sans toi. Ça va aller. Pas sous la pluie, mec. Pas sous la pluie. On va te remplacer par un briquet bic, quoi. Voilà. On a eu du mal à te remplacer, mais là... C'est ça. Le gars, c'est assis au bar, il parle à un cocktail Molotov à côté de lui. Ah, ça va, Bob, et tout. un petit gilet rouge, comme ça. C'est ça, tu sais. Donc, vous allez me faire un test. Moi, je voudrais... me faire un test. D'accord. Réinvoquer ici pour balayer plus de terrain, en fait. Il va pas vouloir me chercher, je crois. Oui, c'est vrai. Il va te pisser dessus. T'es vu. Je crois que je l'ai vexé. En même temps, donc, tu l'as cherché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous vous lancez à sa recherche, rapidement. Il y a néanmoins Shaidan qui te regarde, Théo, et qui te dit, vous avez vu ce que moi j'ai vu sur le loin, par rapport à la chaîne montagneuse. Quoi? Des dialogues. Désolé, j'étais encore en train. Merde, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Je vais partir. J'ai cliqué trop vite sur les dialogues et du coup j'ai passé en fait. Vous dites. Donc, vous avez vu par rapport à la chaîne montagneuse ce que moi. Que j'avais de l'eau. Que apparemment l'eau vient de là-bas. Je connais un peu la région parce que je suis venu régulièrement voir ma sœur depuis ces dernières années et jamais il n'y a eu ce genre d'événement. C'est-à-dire que il y a une réserve, probablement on est dans les montagnes, donc il y a probablement une réserve naturelle qui est dans ces montagnes, mais ce qui a provoqué ça n'est pas naturel. Elle compatit pas pour notre collègue, pour notre compagnon. On va aller enterrer Bob et puis ensuite on ira voir, d'accord? Ouais, on fait ça. Enterré normalement sous un tsunami, je suis déjà enterré, mec. Ah putain. Mais cadavre propre. Ça, c'est bien. Allez, mais alors, pourquoi tu voulais qu'on fasse un jet au fait? Un jet de recherche. D'accord. Donc vous allez me faire pourquoi un. Pourquoi tu voulais qu'on fasse un jet au fait? Pour sauver ton pote, ça te parle. Donc. À quoi ton jet? Ça va être. Vous allez me faire un test de recherche, donc d'observation. Tu peux ajouter ton bonus de vie en nature, Chine. Donc physique plus vie en nature, 65. Vous allez tous me faire un test avec un malus de 10% à cause de la situation. Donc 65 en physique. Réinvoque IC et bénéficie d'un plus. C'est ça. Tu l'invoques, je te fais pas faire de test. Donc tu l'invoques sans problème. D'accord. Ah oui, donc ça m'ajoute un bonus pour le test ou pas?
plus 5, ouais. D'accord, donc ça fait 85, je suis en focus. Donc 38, réussi. D'accord, bah, vous avez tous les deux réussi, grand mec. Vous allez tous dans la même direction. Moi j'ai fait déjà, c'est Chine qui a pas fait encore. Oh, ça passe. Limite, mais ça passe. Donc, tous les trois, en conjuguant vos efforts, vous finissez par vous retrouver donc quelques lieux plus loin à force de recherche. Donc, nous arrivons à l'aube. Vous n'êtes pas plus reposé que ce que vous aviez prévu. Vous avez prévu de dresser un camp pour vous reposer, donc ce n'est pas du tout le cas. Néanmoins, vous avez survécu au pire. Donc, vous vous retrouvez donc, dans un endroit plutôt éloigné qui a plus ou moins, hop, je vais vous faire importer, sur lequel vous avez pu vous préserver. Un endroit qui a... Hop, 2 secondes. Je vous amène. Donc vous retrouvez un endroit qui n'a pas été recouvert par les flots, qui était protégé à cause de la densité de la forêt. Donc vous êtes à plusieurs lieues de là, encore plus en amont, et ce que vous voyez est plutôt effrayant ou inattendu, ou les deux. Il y a fini empalé sur un arbre. Après des heures de recherche, vous vous retrouvez ici. Dame. Ah, mais il est mort. Mais non, des tokens et... il était pas invité, lui. Il y a du sang ou c'est quoi? C'est de la flamme? Non, c'est de la boue. Ah, merde. Ah, vous avancez à pas feutré. Attends, c'est normal le token de dragon? Oui. Le token de dragon que la boue qui m'étonne, Shin. Oh, putain, je me suis fait bouffer par un dragon plutôt que de mourir sur un arbre, quoi, à 9 bornes d'ici. Et oh, c'est qui dégueulasse. J'espère que le chaton a survécu. Le bruit qui vous a attiré est celui de légers miaulements de chatons. Sortez mon gros. Il y a, à côté de ce dragon endormi, Aïdor. Oui. Un petit Bob. En train de fumer une cigarette. Je vous présente ma nouvelle conquête. C'était une dragonne, je l'appelle Claudia. Il y a, c'est chaud entre nous. Il a été vraisemblablement traîné dans le coin. Il y a des restes aussi d'une araignée géante dans le coin. Ça sert de garde-manger. Il est le Bob est allongé au sol. Et les bruits de miaulement vous parviennent de lui. Il y a le chaton qui est posé sur son corps et qui est en train de lui lécher le visage. Est-ce qu'on peut pas donner le chaton à bouffer au dragon pour récupérer Bob? Si tu fais ça, je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour tenter de te tuer glorieusement. T'as 3 PV, t'as plus de mana. C'est dans la phrase « tout ce qui est en mon pouvoir » qui risque de te poser problème, c'est ça en fait. Ah putain. Alors. Et donc Bob est inconscient ou conscient? Il est allongé. Je suis dans les vapes après un truc comme d'accord. Ça. Et en plus, tu pourras même pas le savoir parce que t'es dans les vapes. Oh, quel salaud. Qu'est-ce que vous faites? Il est où, le chat? Le chat est là. Et nous, on est où? Vous êtes ici. Vous voyez, non? Ah, d'accord. Oui, ok. C'est bon. Et toi, t'es où, Mayer? Et Eden, elle est où? Du coup, elle est venue avec pas faire de bruit, j'espère qu'il gueule pas trop ce chat là. C'était pas Aiden, c'est Shaidan. Oui, Shaidan. Non, non, mais moi je disais Aiden, mais enfin bon, c'est pas grave, c'était. Non, mais. C'est un lacon. Lui il est au bordel, tu vois, Aiden. Enfin, Aiden, il a tout compris. Il a tout compris. Depuis le début, elle a des vraies vacances, elle. Putain. On va essayer de s'avancer. Peut-être Théo avec son armure, c'est pas le plus discret du monde. On va peut-être y aller avec Shin pour les lions. Aucun d'entre nous n'est discret, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, de toute façon. Si, Chine. Si, moi je peux y aller. Ouais, Chine. Et juste, tu vas arriver à les porter... Tu vas arriver à traîner Bob... Est-ce que mon pote peut tracter des trucs, ou ça serait trop lourd pour lui? Non, je suis pas conscient, on est d'accord. Oui. Très bien. Nous sommes à l'aube, les premiers rayons du soleil après la pluie. Hop, je vais virer la pluie d'ailleurs. Hop.
Nous sommes à l'aube. Les premiers rayons du soleil dardent à travers les nuages, le ciel qui s'éclaircit. La fatigue, certes, ici, mais vous êtes à mi-chemin entre la fatigue, l'épuisement et aussi le fait d'avoir retrouvé Bob, sans savoir vraiment s'il est encore en vie. La vague, le tsunami qui est passé de manière totalement surréaliste dans cette vallée a laissé un paysage complètement dévasté, sauf cette partie qui est plus en hauteur. Shin, je vais te demander un test, s'il te plaît, de discrétion. D'accord, pas de problème. En ASMR, s'il te plaît. Oui. C'est là que tu me tires une flèche dans le flanc pour voir si je dors vraiment. Tu... Ah, il est pas mort, c'est bon. Les mecs, ah, le con. Shin, fais-moi un test de physique. D'accord. Plus vieux nature. Très bien. Plus focus. Focus. Mais tu... Pour y aller. Donc, t'as 65 en physique. Plus vieux nature, 75, plus 5. 80. 80 plus 5 bonus parce que tu as invoqué ton pet. D'accord. T'as 85. Le pet, c'est parti. On y va. 43, ça passe. D'accord. Donc, tu arrives. Je mets pas le jingle, ça va faire du bruit aussi. Est-ce qu'il m'embrasse pour me réveiller? Tu te retrouves par ici, Shin. Théo, tu as la main sur la garde de ton épée, au cas où il se passe un truc. Cronlake, tu fais quoi? J'hésitais à aider Shin, mais je suis pas aussi discret que lui, donc je vais me tenir à côté de Théo, prêt à agir s'il y a quoi que ce soit, prêt à courir vers Shin, à l'aider à transporter Bob, dès que je juge que ce sera pas trop risqué niveau bruit. Je peux caresser rapidement le chat pour dire « calme-toi, pas de bruit », et histoire ouais. qu'il arrête de miauler. Puez-le, ce putain de chat. Non, non mais il faut pas faire de bruit. Le chat se retourne, non, il fait pas plus de bruit que ça. D'accord, très bien. Il se retourne, il te lâche le doigt. Et le dragon, il fait quoi? Il dort, là? Oui, il dort, oui. Ah, ok. Mm. Il a pris sa touche. C'était pour ça qu'on essayait de pas faire de bruit depuis le début. Ouais, il a bougé. Les terreurs nocturnes. Ah, tu vois. Oui, fais-lui. Chut, chut, c'est rien. Non, il caresse le vent. Tu sens son haleine complètement fétide te balayer le visage, Shin. Tu sens les relents d'araignée. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Tellement de bons souvenirs. Et comment tu vas faire pour traîner Bob qui... Est-ce que je peux juste le hisser sur mon épaule comme ça et y aller doucement? De toute façon, il n'est pas très lourd. Bon, je peux le porter. Non, sur mes non seulement il n'est pas très lourd, mais en plus de ça, tu as réussi ton test de discrétion. Donc, je ne vais pas t'imposer voilà. plus que ce que tu as déjà réussi. Je ne vais pas vérifier son état de santé de suite. Le but, voilà. c'est de l'extraire, en fait. Prends le chaton aussi. Le chaton, il fait. Il peut nous suivre. Il reste naturellement. Il reste naturellement de votre côté. Oui, il va suivre Bob, vu que tu l'as sauvé. Donc, à mon avis, ouais. il va suivre naturellement. Je crois que ça s'est engravé dans sa mémoire, sortant des flammes autour de la flotte. Le chaton, il a dû se dire dans son instinct, je suis foutu. là, c'est la merde, là. On va tous avoir un pet, ça veut rien dire, quoi. C'est chaud. On va faire des produits dérivés. Donc, le chat te suit, tu mets le corps de Bob sur ton épaule, tu le hisses vers toi, vers le groupe. Théo surveille que le dragon se réveille ou pas. Je vais faire un test. Il bouge un peu les babines. T'as un peu de bave qui tombe. T'as son haleine fétide qui redouble de violence. Et tu réussis à traîner Bob en dehors de cet endroit. Et avec Théo et Grunlake, vous vous retirez avec le corps de Bob. Ça, c'est la course à l'aventure, quoi. Avec l'acteur qui fait semblant de dormir et tout. Oh putain. Qu'est-ce que vous faites? On retourne sur le scénario. C'est la quête secondaire du chat est terminée. Voilà. Théo, il faut absolument que tu tentes de soigner Bob. Ah bah oui, d'office. Ouais. Franchement, je me demande si j'en ai vraiment envie. Tout ça pour un chat! Un chat! Il fait quoi? Il respire? On dirait que oui. Ah, j'ai 2 PV. Bon, écoute, Laissons-le évanoui quelques heures encore. Donc, c'est ainsi que vous le laissez donc se reposer pour vous diriger vers où? Vous dirigez vers la chaîne montagneuse ou vers l'Isande? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Sachant qu'il y a... Bon, on considère que vous avez quitté ce paysage, d'accord? Je vais soigner Bob sur le trajet. Le village de Shaidan était dans la direction expliquez-moi comment vous faites. On a quelqu'un qui de la montagne.
mourant ou en tout cas dans les vapes, on n'a plus qu'un seul cheval qui vient de prendre un tsunami. Comment vous voulez qu'on voyage là? Je vais soigner Bob histoire qu'il puisse invoquer son cheval. Ouais, il faut qu'on se pose, non, on peut pas voyager. Je vous montre où est-ce que vous êtes. Donc vous êtes, je vous rappelle, ici. Il y a là la cuvette d'eau donc, qui s'est déversée dans la vallée qui est là. Et il y a le village le plus proche qui est là, à quelques heures de là. Une petite demi-journée. Et vous n'avez pas dormi. Bon, c'est impossible qu'on puisse voyager. Ouais, mais il y a un dragon qui dort pas loin, quoi. Ah oui, il dort. Il n'a pas tort. Voilà. Tu sais que alors, tu peux faire. Enfin, bon, je dors. Peut essayer de refaire un petit camp, peut essayer de trouver un coin, mais... Vous faites quoi? Vous voulez dresser un camp, sachant que la dernière fois que vous avez dressé un camp, vous étiez pas préparé à ce qui peut se produire. Là... Moi, je dis qu'on avance vers ici, vers là où on a vu l'eau qui... l'origine du phénomène. Ou alors mais vers l'Isandre. Ça me déplaît pas ton idée d'avancer, mais tu m'expliques comment physiquement, après s'être pris un tsunami, comme ça on arrive à avancer, transporter quelqu'un, tout ça. Déjà, je vais soigner Bob pour qu'il puisse invoquer son cheval, comme ça ça fera un cheval de plus. Et ensuite, moi je propose qu'on aille vers l'Isandre. Objection, si tu me donnes 2 PV avec ta capacité de 2 PV de soins, j'aurai 4 PV, je pourrais pas invoquer le cheval. Parce que j'aurais toujours pas de mana, mec. Ceci là, ça, il n'est pas censé le savoir en vrai. Quand il, oui, quand il va pas. Ouais, il le fait plutôt. Il le fait plutôt RP, Théo. J'entends, mais pour les sorts de soins, c'est du 2 heal, c'est pas un healer. Hein, faut pas. Mmh. Dire, même le soin, mage, je le vois plus, pas spécialement dans l'optique de 30 des points de vie, mais plus de te remettre sur pied, que tu puisses, que tu sois plus inconscient, que tu sois. Oui, que tu sois plus un poids pour le groupe en fait. Mais ah, si bah, c'est ce qu'il veut faire. Je soigne en gros, voilà. D'accord. Donc très bien. Tu le soignes, tu utilises donc combien de psy, Théo? Juste assez pour le réanimer du coup, 2. Ouais, très bien. Donc tu peux te remettre 2 PV, Bob. Bah là, on mais t'as que 2 points de psy de toute façon, si? Non, j'en ai 4. Ouais, oh, d'accord. Avec le level up. Donc tu pourrais me soigner pour de vrai en fait. J'économise un petit peu. Ouais, t'as raison. Donc... Vous vous retrouvez donc dans un campement de fortune. Enfin non, pas dans un campement de fortune, vous êtes sur une vallée quelconque, à l'écart de la créature draconique. Et tu reviens à toi, Bob. Et en revenant à toi, la première chose que tu sens, c'est les petits coups de langue sur ton visage. Tu... Oh non, on l'a laissé sur le dragon, le chat merde. Non, c'est moi qui le lèche en fait. Question, c'est un mâle ou une femelle? Oh putain. C'est un mal. Je pose la question, écoute. Hein. C'est un mal. Eh ben écoute, je vais l'appeler Wilfried et je vais l'embarquer. Hop, il est à moi ce chat. Il est à moi ce chat. Ce chat, je lasse plus. Je le mets sur mon épaule et il bouge plus. Bien. Donc, tu reviens à toi. Quelle est la première chose que tu dis aux autres? Ah putain, Chine, tout est de ta faute. Je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est de la faute de Chine? Mais enfin, mais oui, c'est pas moi qui ai généré le tsunami, merde. Non, c'est toi qui as généré l'idée de se trouver ici, au milieu de la flotte, pour des vacances. C'était pas dans la brochure. C'était pas dans la brochure. Bon, d'accord, c'était pas dans la brochure, je te pardonne, mais c'est pour ça. Mais du coup, on est où? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Voilà, c'est les vraies questions. Ça passe. Du coup, on fait quoi, là? Oui. On est en route vers l'Isandre. Pour l'accompagner, pour qu'elle les retrouve. Voilà, on est revenu au point de départ, on est toujours en route. Shaiden, où est Shaiden? Elle est toujours avec nous, t'inquiète. Elle va bien. Par contre, cheval est mort. Ah merde. Ah, on sait pas, il a été emporté par les flots, ça se trouve, il vit sa vie de cheval quelque part. Donc en fait, il y a que moi qui y suis passé comme un lâche, en fait. Oui. Ouais, bon. Bon, tant pis, allons-y, on se barre. Pays de merde, pluie de merde. Tsunami de merde. Tsunami de merde. Oui, ça aussi, what the fuck. Ça, là, je vais te prendre au colchi. Je fais, what the fuck. Tu nous réveilles pour des tsunamis. Pourquoi tu nous réveilles pour des tsunamis? J'aurais préféré mourir dans mon sommeil que de savoir avant mes derniers instants que je meurs dans un tsunami. C'est vrai que Shaidan, elle a sa frangine qui est habitalisante, c'est ça? Est-ce qu'on peut aller à l'Isandre, du coup? Donc, elle connaît la région. Donc, j'ai envie de lui demander, ça arrive souvent les tsunamis? Alors, dans les parages Non, c'est ce que je disais à votre ami Théo. Alors, et j'ai une vraie question. C'est vraiment une source magique. Années, ouais. Depuis des années où je viens rendre visite à ma sœur, eh bien, jamais il ne s'est produit, ou jamais j'ai eu vent de ce genre de... Évidemment, des tsunamis qui rasent la moitié du continent, c'est pas un truc qu'on oublie généralement. Mais la vraie question, c'est qu'on va dans la direction d'où vient le tsunami, c'est là où se trouve le village. Ouais.
Bon, ça fait 2 plus 2 dans vos cerveaux ou... Effectivement, oui. Bon. Tu as pas quel tort. État va être le village. Après, bon, je suis désolé de donner la nouvelle comme ça, mais autant que vous y soyez prête. Puis on y va, écoute. Hein. De toute façon, il faut y aller, quoi qu'il en soit. S'il y a des gens à sauver... Est-ce que je peux prendre une demi-heure pour me concentrer et bien invoquer mon cheval, ou est-ce que je suis trop faible? Tu vas devoir dépenser de la PV. Vaut mieux commencer est-ce à que continuer j'ai... quelques heures. D'accord, pour d'accord. Récupérer le temps de récupérer psy. Un point de psy, ouais. Voilà. Au moins un. Donc, on gère du coup le passage à Lysandre de manière elliptique. Donc un peu comme au cinéma, un petit fondu noir, comme ça. Voyage rapide. À la Star Wars, c'est le fondu en clockwork. C'est un truc dégueulasse. Exactement. Bon, t'as dit dégueulasse, là? Non, mais à vous, c'est chipos, quoi. Le brrr, c'est le fond d'écran PowerPoint Windows, j'adore. J'avoue. Donc, vous arrivez, après une bonne demi-journée de voyage, après avoir utilisé... la psy récupérée à peine à la force du poignet de Bob. Donc, tu fais revenir Braise. Vous êtes donc fatigué, vous avez des cernes jusque-là. T'es ouvre la marche au cas où danger, c'est probablement, malgré la fatigue, le plus alerte et le plus sur les dents. Et vous vous retrouvez donc, à ce moment-là, au bord de la première situation, première civilisation de Lysandre. Donc, il y a putain, une les maisons sont légère encore debout. Vous êtes. Alors, les peut-être premières... que le tsunami n'est pas passé par là. Peut-être que je vais finir ma description. les premiers lieux que vous avez traversés représentent un paysage complètement dévasté. Des maisons qui sont affaissées, balayées. Là, vous voyez donc des tronçons de bois ici et là. Vous voyez que des gens essayent de dresser des remparts autant que faire se peut. Il y a des endroits avec des parties de maisons qui ont été arrachées. Il y a de l'eau qui a recouvert cette partie de cette ville, de ce village, sachant que vous êtes sur un monticule, vous êtes sur une colline. Donc, il y a tout ce qui était autour, en aval, oui, c'est ça, tout ce qui était en aval a été balayé, littéralement pulvérisé. Et vous arrivez aux endroits... un peu plus en amont, donc à peu près au même niveau où vous étiez mis, vous, à l'abri, tout à l'heure. Et vous voyez donc qu'il y a énormément d'agitation, qu'il y a les gens qui s'activent pour essayer de faire des remparts, pour renforcer les bâtiments, les maisons. Il y a une agitation, une certaine tension dans cet endroit. C'est-à-dire qu'on adresse à peine les regards posés sur vous. Les gens n'ont pas le temps d'être méfiants, sont plus accaparés par ce que finalement, vous aussi, vous venez de vivre. Donc, vous ouvrez la marche. Personne ne reconnaît Shaidan dans le village ? 2 secondes, je vais lui mettre son token, tant qu'à faire. Ouais, les maisons sont dans quel état à peu Vous avez réglé vos... réajusté vos PV on a récupéré un point de psy. Oui, comme Bob a récupéré suffisamment de psy pour invoquer son cheval, J'ai besoin que de 1 point de psy pour invoquer mon cheval en focus, yeah. Donc tout le monde... Non, attends, c'est 3. C'est 3, je crois, pour le cheval. Ou 4, je sais plus combien. C'est l'affiche. Il me faut l'affiche. Alors, il me semble, je vais te dire ça tout de suite. Fiche level 3... C'est... 3. La monture, c'est 4. 4, mais en focus 3. Donc, vous avez récupéré 3, tous. 3. Mais moi, je suis toujours à 0 et à oui. 4. Très bien. Ouais, je suis full, moi. Cool. Ok, full aussi, du coup. Donc vous arrivez dans ce climat très particulier, après la dévastation causée par ce tsunami qui est une situation vraiment inédite dans cette partie du monde, et bien vous vous retrouvez face à des habitants qui vous ignorent littéralement. Mais ils pourraient être sympathiques à la limite avec votre venue, sachant que même si Théo a l'air un peu bourru, il n'aurait aucune raison d'être particulièrement... hostile. Oui. Et du coup, Théo, tu ouvres la marche avec Lumière. Tu sens quand même que Lumière arrive au bout de ses forces, hein. Vraiment. Ouais, ben je vais. Est-ce qu'il y a une. Je demande à la. Comment elle s'appelle Shaidan. Shaidan. Je demande à Shaidan, est-ce qu'il y a une mairie ici ou un truc comme ça Oui, il y a une maison de ville au centre. Il y a une cour principale dans cette ville. C'est un peu autour de cette cour où se passe absolument tout. Ben, donc, allons-y. Ce village n'est pas. Ce village est très concentré, en fait, et autour, il y a tous les... ce qu'on a vu, ce qui a été complètement balayé. Sa priorité, c'est de retrouver sa sœur. Hein. Oui, juste, je réponds à la question.
tout ce qui était balayé autour, le paysage complètement dévasté, ça concerne les champs, l'agriculture, les élevages, tout ce qui permettait aussi à cet endroit de vivre quelque part. Il n'y a pas des civils touchés, il n'y a pas des gens avec, si. Qu'on devrait sauver, il faudrait s'occuper de ça en priorité, quoi. Est-ce qu'ils ont des blessés? Oui, Théo, Théo pour y faire un tour. Mm. Oh non, ils se démerdent. Est-ce que... C'est à cause de toi qu'il y a plein de chats qui meurent dans le monde. I mean, come on, dude. I mean, dude. Ouais, ça va, écoute, hein, comment ils auraient fait si j'étais pas là? Bah, ils se démerdent. Tu veux épargner des clodos, mais quand il s'agit de sauver des gens pour de vrai, pour vraiment les sauver, il n'y a plus personne. Théo, tu ouvres la marche, tu arrives donc par là. Il y a, tu vois, par ici, une famille éplorée. Tu es le premier à remarquer ceci. C'est ça, qui ça? Hop, là. Une famille éplorée autour d'un corps sans vie. Ok, d'accord. Au sol. Et il y a donc la femme et le jeune fils ici, et la femme qui sont là, en train de pleurer. L'homme, c'est un nom qui en ressort, un certain Balin. Et il réclame justice. Tu sens un ton presque vengeur. Et quand elle se retourne vers toi, tu apparais presque avec la lumière dans le dos. Lorsqu'elle se retourne, tu vois qu'elle a un visage complètement tuméfié par la tristesse, complètement remplie d'un sentiment entre vengeance et affliction. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a, à côté, un soldat. Ici, pardon. Il y a un soldat ici qui secoue la tête de droite à gauche de manière presque, j'ai envie de dire, désintéressée. Il se retourne vers toi. Quelle est ta première chose? Quelle est la première chose que tu dis quand tu arrives? Je sais pas, je demande au premier vous là, qu'est-ce qui se passe? À qui, vous? À la jeune femme ou à la. À la jeune femme, oui, voilà. C'est. Mon mari, il a donné sa vie pour nous protéger avant que la vague ne tombe. Il a donné sa vie pour nous, et tant d'autres sont morts. Et je vais demander aux viewers ce qui va s'en suivre de cette situation. Et nous allons en profiter pour lancer la pub, j'imagine. Très bien. Une météorite tombe, dirigée par des chats, avec des dragons qui poussent le caillou par derrière, tu vois. Un truc comme ça. Un bon final. Qui fait du surf, voilà. Donc, on va prendre en considération les votes de comment réagit cette famille à l'approche de Théo, de Bob, de Grunlech, de Shin, de Shaidan. Donc, on vous donne rendez-vous après la pub. Pub, à tout de suite. Des bisous.